Allez vite, il va falloir que vous répondiez hyper vite. Carré, carré. C'est lui qui commence, c'est Ryan Warouf. C'est toi. Vous allez, c'est toi. Allez. Non, mais vous allez voir, c'est en même temps. Qui est le plus mauvais joueur? Lui, moi. Le plus flemmard. Lui. Non, moi flemmard. Non, je bouge partout, je bouge partout. Moi je crée une embrouille là, c'est sûr. Non, le plus flemmard. Entre nous, c'est lui. Non, mais il est pas flemmard. Entre nous, c'est lui. Il y a pas de flemmard. J'ai pas compris. Il y en a pas. Il y a pas de flemmard. Il y a pas de flemmard. Le plus dépensier. Lui, moi. Le celui qui ment le plus. Lui. C'est lui, c'est lui. On ment pas. Joker, on peut dire Joker, personne ne ment. Joker, personne ne ment. Attention, le plus fier. Moi. Lui. Je suis trop fier de malade. Et je suis vraiment. La preuve qu'il est fier, il est obligé de dire qu'il est fier. Ouais, il a dit moins 10 fois depuis le début de l'émission. Le plus stylé niveau sap. Moi. Lui. Non, je vais me justifier. Vas-y. Lui c'est plus survêt tout ça. Moi je suis plus street. Okay. Lui il est plus G. Il est BG genre cheat et tout. Et bah c'est pour ça que lui a une meuf et pas toi, tu vois. Ouais donc, voilà. Parce que j'ai pas envie d'en avoir. Mais c'est lui, ouais, j'adore. Alors qui est le plus intelligent? Moi. Non, okay. Mais les gars. Tous les deux. On est intelligents. En fait, lui, il a une part d'intelligence. Okay. Et toi, t'as l'autre part. L'autre part. Ça veut dire 50-50. C'est nous deux. Qui est le plus canard avec les meufs? Lui. Non, c'est pas canard. C'est un canard. Non, c'est un canard. Non, je sais faire la part des choses. C'est un canard. Je sais faire la part des choses. Parce que lui, tellement il est fier, genre, disons, si il a tort avec sa meuf, il va pas lui dire qu'il a tort. Ah, ça, c'est pas bien. Eh ben, moi, je sais faire la part des choses. Si j'ai tort, j'ai tort. C'est nul. Non. En fait, si j'ai vraiment tort. Je vais avouer mes torts. Ah, tu vas quand même l'avouer. Mais pas directement. Sauf moi. Dans mes torts, j'ai toujours raison. Ah ouais. Une petite punchline. Dans mes torts, j'ai toujours raison. J'ai préparé toutes les belles phrases de la. On va la noter. Alors, celui qui était le plus nul à l'école. Lui. Le plus nul. J'étais en terminale, j'ai eu 8 de moyenne. Lui, il avait 14 de moyenne. Mais donc c'est toi le plus nul. Ouais, donc c'est moi le plus nul. Je me suis contredit, mais c'est moi le plus nul. Moi, je suis une tête. C'est moi le plus nul. J'assume ça. Bravo. Mais après, l'école, c'est bien, mais la musique, c'est mieux. Oui, quand on arrive, oui, en effet, à se faire connaître, etc. Mais sinon, après, c'est vrai une passion aussi, c'est une passion de malade. Ouais, c'est vrai. Vaut mieux être heureux et vivre de sa passion que l'inverse. J'ai fait une année de BTS. Ok. J'ai travaillé dans un peu partout. Intérim. T'étais pas épanoui. Taf, quoi, ça m'intéresse pas. Ouais. En fait, moi, ce qui me convient, c'est que la musique. Je peux comprendre. Je vis, je dors musique, je vis musique, je mange musique. Non mais c'est. Je vais aux toilettes musique. Tu fais de la musique. Fou. Non mais c'est bien d'avoir une passion, parce que ça te fait avancer aussi dans la vie. En fait, lui il a sa meuf, toi t'as la passion. Tu vois non, ce que je veux dire? Non, il a la passion après, et sa meuf. Il a la passion et sa meuf. Après, okay. Après le rap ça reste ma passion. Donc okay. Au-dessus de ta meuf. Attention à ce que tu dis. En fait, il se contredit, t'as vu? Il ment. Non. C'est lui le menteur. Moi je suis quelqu'un, je vais essayer de faire la part des choses. Ça veut dire, je peux pas dire que ouais, y a... parce que l'amour que je porte à la musique, c'est pas le même amour que je porte à un être humain. Ah, mais t'as raison, ou pas le délire. Donc je suis beaucoup sur, je sais faire la part des choses. C'est bien, tu vois. Il a 5 sur 5, il a bien répondu. Voilà, tu vois. Mais après, ce qui est, si je peux dire, incroyable, c'est que cette passion, plus tu grandis et elle te suit, et plus elle grandit, et plus tu te rends compte que... T'es fait pour ça. Ouais, ouais c'est ça, fait, c'est une évidence, ça devient une évidence. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je me lève pas une journée sans penser à la musique. Ah, c'est bien. Jamais de la vie, ça m'est arrivé de pas penser à la musique. Et justement, dernière question, qui est le plus talentueux? Dans le kickage, il est très fort dans la mélodie. Je suis très bon, mais après je maîtrise un peu plus la mélodie. D'accord. Et lui, il maîtrise un peu plus le kickage. Et c'est ça qui fait le gros parfum. C'est ça qui fait le gros parfum.